Bonjour à tous, on est aujourd'hui au Décathlon Béton Village La Forme pour une petite vidéo de présentation sur du matériel. Souvent, je vous parle du matériel et je vous dis que c'est pas forcément le point le plus cher dans le budget. Je conseille parfois d'aller chez Emmaüs, par exemple, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget. Mais c'est vrai que dans les récupéries, on n'a pas le choix de ce qu'on veut. C'est rarement la bonne taille, c'est du matériel qui est parfois usé, parfois en bon état. Et du coup, aujourd'hui, on va profiter du fait que la Skol Loiren ait un partenariat avec Décathlon pour vous montrer du matériel qui est entre l'entrée de gamme et la moyenne gamme. Donc les prix sont très corrects, la qualité est très bonne. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à faire avec. Je vous propose de commencer par le bas du corps, les chaussures. C'est parti! On a des chaussures ici qui sont à 40 euros. Ça, c'est la version homme. Donc, c'est des chaussures de plaine. Elles sont basses exprès. Elles ont une très bonne résistance à la torsion, avec une semelle qui est à l'arrière sur le talon, bien moelleuse pour amortir quand même les chocs. Elle n'est pas faite pour aller dans les chemins très tortueux et en montagne, sinon elle serait un peu plus montante pour maintenir la malléole. Du matériel très accessible. Donc ça, c'était la version pour les plaines. Je vais vous montrer maintenant la version pour chemin vraiment un peu plus acrobatique et montagne, bien entendu. Vous voyez tout de suite que elles sont ce qu'on appelle montantes pour bien maintenir la cheville en place et la malléole. On a une semelle qui est avec des crampons bien plus gros, bien plus résistantes. Donc bien entendu, le tarif n'est pas le même. Celle-là, elle commence à 80 euros. Celles-là, elles sont bien imperméables, résistantes, respirantes. C'est ça qu'on veut. Donc elles ne laissent pas rentrer l'eau, mais elles laissent sortir un peu la chaleur, l'humidité pour éviter les problèmes de friction et en même temps les mauvaises odeurs. Je n'oublie pas non plus que la pratique de la nature et du bushcraft peut se faire, bien entendu, chez les dames. Donc, il y a aussi des versions pour femmes, que voici. Donc là, ici, vous avez la version pleine, donc qu'on reconnaît parce qu'elle est basse, elle ne monte pas beaucoup sur la cheville. Toujours la même semelle que les autres, une bonne résistance à la torsion. On peut largement leur faire confiance. Celles-ci aussi sont à 40 euros, comme celle-là. Et vous avez bien entendu la version montagne qui existe aussi pour les dames. Elles sont à 75 euros, celles-ci. C'est vrai que c'est pas des chaussures à 20-25 euros. On veut des chaussures solides et résistantes quand on va dans des chemins un petit peu isolés, des chemins un petit peu difficiles. Une semelle renforcée, un bon maintien du talon. Ça monte sur la cheville, la malléole. Et toujours ce côté imperméable mais respirant pour laisser la transpiration s'évacuer et bloquer la pluie. Je ne présenterai pas dans cette vidéo les chaussettes. Je rappellerai juste par contre que si vous voulez pratiquer du bushcraft en itinérance, donc avec plus de déplacements que de vie sur le camp, il sera intéressant de regarder les chaussettes de randonnée qui sont doublées aux endroits où il y a des frictions habituelles, notamment sur la malléole, sur le talon. Plus on marche longtemps, même si une chaussure est respirante, plus le pied va quand même devenir un petit peu transpirant. Et toute cette humidité va créer de la friction. Donc des petites chaussettes basiques à 2-3 euros peuvent montrer rapidement leurs limites. Je vous propose maintenant de passer au pantalon. On continue de monter sur le corps. Je vais vous montrer un pantalon qui, pour moi, est assez versatile et permet de faire toutes les situations. Je vous ai pris une version chasse. C'est pour parler un petit peu du parallèle que fait le bushcraft sur plusieurs disciplines. Chez Décathlon, je trouve que je m'y retrouve pas mal en bougeant entre les deux rayons. Donc un petit peu la rando pour tout ce qui est matériaux techniques, légers, avec un bon rapport qualité-prix. Quand je veux des vêtements peut-être plus adaptés pour sauter dans les fourrés, dans les ronces, etc., c'est vrai que les vêtements de chasse m'intéressent, à ceci près que du coup ils sont plus lourds et généralement ils sont moins respirants et mettent plus de temps à sécher. Donc là c'est plus peut-être quand je fais du camp fixe, du bushcraft fixe, plutôt qu'en itinérance. Celui-là il est à 25 euros, voilà, avec des poches cargo sur le côté pour mettre du matériel, des passants de ceinture si on veut équiper un couteau ou une petite housse en cuir. Du coup, on peut mettre une vraie grosse ceinture. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des matériaux de randonnée en termes de pantalon. Le pantalon. Les matériaux sont toujours optimisés vers le haut. Donc, il est un petit peu plus léger, plus résistant, plus souple. Donc, il est très agréable à porter. Cette version-là ne fait pas pantashort. La version que je porte, oui. Il y a une petite différence de 5 euros sur les vêtements, mais c'est pas grand-chose.
C'est vrai que moi, j'ai un petit coup de cœur sur la période avril-septembre pour le pantashort qui fait les deux du coup. Donc en début de soirée, si on a froid, on équipe les jambes et on est bien. Mais comme celui-là, il est aussi plus léger et plus technique. Au final, on ne va pas transpirer plus que ça s'il y a une grande chaleur. Et par contre, s'il y a de la pluie, du vent, du froid, bah, on est équipé sur le bas du corps. Je vais vous montrer maintenant la version femme. On voit ici, j'ai pris le référent qui est la même chose, d'une autre couleur, mais c'est la même gamme. Le même tissu, la même élasticité, la même technicité. Vous voyez qu'on s'y retrouve pour tous les genres à Décathlon. En période estivale ou si vous habitez dans le sud ou dans un pays un peu plus chaud ou dans un dom-tom, il y a ces versions-là en short qui sont toujours techniques, souples, résistantes et bien sûr qui sèchent très rapidement. C'est un des critères pour moi. Donc, une fois qu'on a fait le bas du corps, je vous propose de regarder un petit peu le haut du corps avec deux t-shirts techniques, un pour homme, un pour femme. Mais histoire de ne pas s'embrouiller, on va nettoyer un petit peu tout ça, ok? Vous avez vu, c'est pratique quand ça se nettoie tout seul. J'aimerais bien que ça fasse pareil à la maison. Alors ce t-shirt, il est très bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors il rentre dans la catégorie des t-shirts techniques. Mais celui-là, il a une spécificité en plus, c'est que les parties intéressantes sont en laine de mérinos. Pourquoi est-ce que j'aime la laine et pourquoi est-ce que j'en porte un? Même par exemple aujourd'hui, sous ma chemise, je porte un t-shirt de mérinos. Et pourquoi par exemple j'ai descendu la Dordogne en radeau et en canoë avec ce t-shirt-là, le même? Eh bien la laine de mérinos, on pourrait se dire la laine c'est chaud. Oui, mais en fait, c'est surtout très respirant. Et elle a un avantage, la laine de mérinos, c'est qu'elle ne prend pas bien la transpiration et les odeurs. Et donc, du coup, on peut rester plusieurs jours sans ou se laver soi ou sans le laver lui. Notamment l'hiver, quand il fait froid, on a peut-être pas le... c'est peut-être pas le fun d'aller se baigner dans une rivière à 4 degrés. Si on peut le porter pendant 2-3 jours, c'est très bien. Il est aéré sous les bras comme il faut. Pareil pour le dos, en prévision du portage du sac à dos. Et bien sûr, il y a la version pour les dames que je vais vous montrer. Donc voici la version pour les femmes, en mérinos sur les parties essentielles qui sont résistantes, en technique ici pour la respiration et pareil pour le dos. Voilà la petite partie respirante ici pour en prévision de la transpiration qui va s'accumuler avec le sac à dos. Ça c'est les t-shirts, c'est ce qu'on appelle la première couche. Si vous regardez sur internet le système en oignon qui est très sympa pour se vêtir que ce soit en soirée sur des périodes estivales ou automne-hiver. Donc je vais vous montrer une petite chemise qui, pour moi, a le petit côté un petit peu trappeur canadien avec le bushcrafter. Elle existe aussi en vert et gris. Celle-là, je me suis acheté les deux parce que je trouve qu'elle est sympa. Elle tient suffisamment chaud pour être portée sans t-shirt en dessous. Et en même temps, elle est pratique pour bosser en extérieur. On peut remonter les manches et les caler ici, un petit peu comme sur les chemises de scout pour ceux qui ont le coup d'œil. Renforcée ici pour en cas de pluie ou s'il faut porter un sac à dos. Elle est très respirante, elle est très sympa. Il en existe des gammes identiques pour les dames. La première couche est censée être respirante pour faire sortir la chaleur, notamment la transpiration. Et la deuxième couche va vous permettre, tout en faisant respirer le corps, de garder quand même une couche de chaleur et de vous protéger du froid. C'est ce qu'on appelle la deuxième couche, par exemple les polaires, les pulls en laine, les petites vestes. On a une petite polaire pour homme. J'ai pris, alors pas le premier prix, j'ai pris le deuxième prix. Celle-là, elle est autour de 15 euros. J'aime bien la couleur, j'aime bien la sensation qu'elle a, elle est douce au toucher. Elle est respirante et en même temps, elle est légère. Elle n'est pas faite pour agir comme troisième couche. C'est vraiment s'il y a un petit coup de froid le soir en été ou pendant l'automne. Et en même temps, elle a un zip qui va jusqu'en bas. Et moi, j'aime beaucoup les zips qui vont jusqu'en bas. Parce que si on a un petit peu froid dans le dos, il y a un courant d'air, on peut laisser ouvert devant, accéder au feu, garder la chaleur. Et si on a froid, on peut ajuster. Et si jamais on est un gros bushcrafter barbu comme moi, on peut laisser un petit peu ouvert en bas pour laisser la barbe respirer et être belle comme elle veut en liberté. Il y existe bien sûr la version pour femme. Oui. Donc c'est exactement la même gamme, le même modèle, mais affiné un petit peu pour les dames qui n'ont pas exactement le même gabarit que les hommes. Pendant que le ménage va se faire tout seul, je vais vous montrer un petit manteau. On le voit bien ici, un petit peu au volume, à la couleur, on est plus sur une gamme pour les hommes quand même. Ça n'empêche pas les dames d'aimer le marron foncé et les hommes de prendre un petit peu de couleur avec plaisir. Surtout si jamais ça se passe mal en bushcraft et qu'on ambitionne d'être secouru, par exemple, ou d'être visible par des amis ou des secours, avoir des couleurs claires, c'est pas mal. Ici, on a un manteau qui est autour de 20 euros. Pourquoi moi je le trouve pas mal? Ben, d'abord, le coloris. C'est vrai que j'aime le côté marron, un petit peu nature, un petit peu sombre. J'aime le fait qu'il soit très léger, très compact. Il se met bien dans un sac à dos.
Et en même temps, dedans, il y a beaucoup de filets, donc il est respirant pour éviter d'avoir trop chaud. Plein de poches, comme d'habitude. La capuche, avec le petit rabat ici, notamment pensé pour les personnes qui ont des lunettes, ça permet de protéger juste la partie devant. En attendant d'acquérir un poncho avec des œillets, ripstop, cil nylon, etc., de passer à l'étape d'après, commencer avec un manteau kawaii comme ça, un peu passe-partout, ça peut être très bien. Maintenant que je vous ai présenté le haut du corps, on va s'intéresser à la partie qui me semble essentiellement à la protection du cerveau, avec notamment un petit chapeau sympa ici. Bon, c'est un petit peu l'héritier des chapeaux jungle type Vietnam qu'on avait dans les années 60-70. On peut le maltraiter, il reprendra toujours sa forme. La visière ici qui est bien solide, ici qui est respirant. Des petites aérations comme ça, donc même les grosses têtes, ça passe et dedans c'est du filet. Moi, je suis plutôt fan personnellement des chapeaux un peu plus avec un certain charisme, donc notamment des chapeaux de chasseurs. Ah, il est là. Ils sont coquins aujourd'hui, les produits. Vous avez ici un chapeau, voilà, une petite feutrine sympathique. Alors, il y a plusieurs tailles différentes, ok, avec le petit rappel de cuir ici qui nous intéresse beaucoup dans le bushcraft. Et il n'est pas fait que pour le soleil. Vous avez aussi la protection ici qui sert si vous avez des lunettes ou s'il pleut vraiment beaucoup, ça protège la visibilité. Et à l'arrière, à la différence d'une casquette, ça protège la nuque. Si jamais le soleil tape haut de 11h à 14h, ça vous protège à l'arrière. Et si jamais vous êtes dans un pays un peu compliqué, parce qu'il y a plein de petits mimites, de petits moustiques, de petites mouches, etc., vous pouvez poser votre moustiquaire dessus, qui va s'éloigner de votre visage, sur tous les côtés, là, coincé dans votre chemise ou dans votre veste, et vous êtes bien équipé. Je vous propose de passer au sac à dos. Oui. Ça déconne un petit peu aujourd'hui le clic magique, mais c'est pas grave. Comme pour les pantalons tout à l'heure, je commencerai par la partie chasse. Tout simplement parce que mon cœur balance toujours un petit peu quand on parle de bushcraft et d'achat de matériel. Je me trouve très bien un peu entre le rayon rando et le rayon chasse. D'un côté, on a la technicité, la légèreté. Et de l'autre, on a la robustesse et le juste poids des choses qui sont un peu lourdes, mais donc qui font plus confiance peut-être. Ici, vous avez une version un petit peu intermédiaire d'un sac à dos. Je crois que celui-là tourne autour de 40 euros. Vous avez ici des passants MOLLE, Modular Light Equipment, qui sont faits donc pour mettre des passants rapidement avec des boutons pression. Vous en avez ici sur la sangle abdominale. Et donc, c'est parfaitement compatible avec toutes les petites sacoches X-Access du rayon Soloniac. Donc, vous avez des sacoches simples, des sacoches doubles, etc., qui peuvent se clipper dessus. Et bien sûr, j'ai essayé, moi, de mettre des petites sacoches de l'armée, peu importe de quelle armée, avec le système MOLLE, ça passe très bien. L'intérieur est assez simple, d'un seul compartiment. C'est ce qu'on veut aussi parfois pour mettre de la quantité, surtout quand on est en période hivernale. Voilà, des petites poches sur les côtés, etc. Je vous refais pas le topo. Mais pour 40 euros, on est sur du très bon matériel, avec un look peut-être qui peut intéresser certains qui recherchent le côté un peu vert kaki. Ce sac à dos-là a un grand frère un petit peu plus grand que je vais vous montrer aussi. Il est dedans. On monte un petit peu plus cher, il doit être une trentaine d'euros plus cher. Le coloris change, la taille des passants change également. Il y a plus d'accessoires, des petites boucles, des zipettes, des machins un petit peu partout à différents endroits. On retrouve cette caractéristique des passants MOLLE sur la sangle abdominale, des petites poches, un dos qui est peut-être un peu plus fait pour de l'usage à long terme. Voilà, il y a beaucoup plus de technicité, des matériaux, du stretch pour pouvoir ranger plein de choses. Il y a le petit passant ici pour le camelback, pour amener le tuyau d'eau directement. Donc on constate que celui-là est peut-être plus fait pour des marches à long terme. Donc ça marche très bien pour un intermédiaire entre du bushcraft itinérant et du camp fixe. Avec, vous voyez ici, quelques petits rappels sur le côté tactical pour pouvoir mettre ce qu'on aime bien, des patchs et encore des patchs. Maintenant, je vais vous ramener un petit peu dans le côté randonnée pour conclure cet aspect sac à dos. Donc, je vais vous présenter d'abord un petit sac à dos pour la journée, un 20 litres. Donc ici, on a, comme c'est indiqué ici, un sac à dos 20 litres. Donc ce que j'aime bien sur celui-là, c'est qu'il a ce petit passant ici ventilé, là, le air cooling system à l'arrière, qui permet vraiment de faire circuler l'air et de limiter la transpiration dans le dos. On retrouve la technicité qu'on aime chez ses grands frères. Donc la sangle abdominale, là ici, sangle pectorale pour bloquer, pour éviter le coulissement entre les bretelles. Plein de petites pochettes techniques, différents matériaux pour avoir une respirabilité. Les compartiments à l'intérieur, la petite pochette zippée ici sur le haut du sac à dos.
Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut, tout ça pour la modique somme de 25 €. Je pense que je vais m'en prendre un tout à l'heure aussi avant de repartir. Son grand frère que je vais vous montrer dans le rayon sac à dos randonnée. Vous voyez celui-là tout de suite, hop, on prend plus de hauteur, il est plus grand. Alors là, on part sur un 50+10, ok? Donc c'est le Trek 500, juste en dessous du Trek 900. Pourquoi? Parce que celui-là, il est très bien en deuxième prix. Il est très versatile, plein de sangles ici pour bloquer des bâtons de marche. Nous, ça pourrait nous intéresser dans le bushcraft pour mettre une hache. Ça se vaut aussi très bien. Des poches en filet pour bloquer le matériel. Plein de sangles, le rappel de charge. Vous avez des sangles de compression. Le petit gadget, mais qui est toujours très intéressant pour siffler les copains ou en cas de pépin, le petit sifflet ici, avec une sangle orange fluo qui augmente notre visibilité. Les petites pochettes sur la sangle abdominale pour caler un paquet de mouchoirs, des petites jumelles, le petit filtre à eau si on s'arrête régulièrement sur des rivières pour boire un petit peu. Pour 55 €, moi je trouve que c'est très accessible et le sac vous durera 10-15 ans, il n'y a pas de problème. Je vous donne mon petit tips, c'est pour compartimenter un petit peu son matériel. Ce que j'aime bien avec celle-là, c'est qu'elles sont en forme de demi-lune, je vais vous les montrer. C'est-à-dire que comme le sac à dos, l'arrière est plat pour le dos et un petit peu arrondi à l'avant, on optimise déjà pas mal la potentielle perte de place que pourrait occasionner du matériel arrondi ou carré. Une partie plate pour mettre sur le dos, et ici, on peut ranger, et même quand on range, on les empile dans le sac à dos, on l'ouvre, on soulève, on fouille, ça permet de retrouver mon matériel plus rapidement quand il existe différentes tailles. Donc, ceux-ci ne sont pas imperméables. Wow. Pour gagner du temps, je suis allé la chercher du côté des sports nautiques. Il en existe aussi, bien sûr, que ce soit Quechua ou tribord dans la partie randonnée. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la petite fermeture ici, le système sympa, qui après trois petites rotations, hop, permet d'empêcher que l'eau rentre dedans, de garantir de l'air à l'intérieur. Moi, ce que j'aime, c'est de les prendre de différentes couleurs et de différentes tailles. Et c'est bien aussi d'en prendre des petits pour s'habituer à essayer de limiter l'emport, parce que tout ce qu'on emporte en bushcraft, on le porte sur son dos. Et ça m'habitue un petit peu à tout rouler. Par exemple, je roule un t-shirt, un slip, une paire de chaussettes, et chaque fois que je sors, j'ai de quoi me changer après une douche. Bon, celui-là est de taille de 5 litres, donc on pourrait mettre dedans soit bourrer un duvet pour le rendre imperméable, si on a peur que le sac à dos prenne l'eau ou qu'on fait des activités nautiques. Par exemple, si on est un peu bête comme moi et qu'on veut faire le tour du golfe du Morbihan en canoë, en surfant à contresens sur le courant de la jument à l'entrée, c'est pas une bonne idée. Mais en attendant, si le matériel est protégé, c'est pas trop grave si on prend l'eau ou qu'on a un petit problème de dessalage. En restant sur les gros items, après les sacs à dos, je vous propose de parler des sacs de couchage après un petit coup de nettoyage. Je vais vous présenter ce petit sac de couchage bien sympa. Celui-là, il est à 65 €. C'est pas un sac de couchage à 10-15 €, mais je crois pas qu'on puisse vraiment trouver du matériel sérieux à ce prix-là pour dormir. Il faut quand même une certaine technicité du produit. Il faut qu'il soit chaud, respirant, qu'il résiste un petit peu à l'humidité, qu'il ait la forme sarcophage qui nous intéresse, nous, pour du bivouac. La capuche, les bourrelets anti-froid, le petit zip ici pour fermer, pour que la barbe fasse un beau dodo. Tout en laissant un petit peu de place aux pieds pour respirer et créer un petit espace de chaleur. Je vous expliquerai à la fin pourquoi vous pouvez éventuellement le trouver à 29 €, ce qui est deux fois moins cher. Qu'est-ce qui nous intéresse chez celui-là? Celui-là, 5 degrés. Donc moi, je pense que pour 65 € ou 30 €, c'est un achat qu'il faut pas louper chez Decathlon. 5 degrés, il vous tient toutes les saisons en France. Si vous évitez la montagne, où ça peut descendre en été autour de 5-0 degrés et en hiver à moins 5, moins 10, moins 15, moins 20 selon les pics. Mais on a une version un peu plus froide et avec une couleur peut-être un peu plus bushcraft si ça vous intéresse. Toujours avec un garnissage synthétique, donc c'est pas du duvet de canard léger et compact, mais en contrepartie, le tarif est beaucoup plus abordable. 0 degré, celui-là passe à 80 €, donc on est à 15 € de plus que l'autre. Et vous me direz, oui, mais 80 € c'est un gros achat. Tout le matériel que je vous présente dans la vidéo, vous n'avez pas à l'acheter en une seule fois. C'est même pas spécialement conseillé. Il y a les fêtes, les anniversaires, l'anniversaire de mariage, Noël, etc. Le départ à la retraite, que sais-je. Et surtout, il faut aussi choisir son camp. Je pense que les vêtements, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est les chaussures qui nous permettent de nous déplacer sans se blesser et de quoi dormir. Si on dort mal dans la nature, on se trouvera toujours mal. Et avec un duvet comme ça, à 0 degré, on est sûr d'être très correct, sachant que l'été, bien entendu, on aura un peu chaud. Mais c'est dans ces cas-là qu'il faut utiliser la fameuse technique de la belle-mère. Une jambe dedans, une jambe dehors pour que le sang se refroidisse un petit peu. Et si jamais on a trop chaud, on peut juste le poser sur nous un petit peu sur le haut du corps ou s'enrouler dans une petite couverture en laine et faire sa nuit comme ça.
Voilà pour bien dormir. Pour dormir en bushcraft, il nous manque maintenant deux petits accessoires sympathiques. Si comme moi, vous n'aimez pas dormir sur le dos, vous êtes plutôt à dormir sur le côté, il va vous falloir une protection pour vous séparer du sol, que ce soit en termes de froid ou de confort. Donc tout d'abord, le fameux tapis de sol, l'indémodable. Il permet de couvrir les besoins d'un randonneur lambda, voire même pour un petit randonneur, on peut replier ici pour faire un petit début de coussin. Il a deux faces, une face réfléchissante d'un côté et une face un peu plus en mousse de l'autre côté. Il faut être bien conscient que si vous mettez cette partie-là au sol et que le sol est humide, toute la mousse là va se gorger d'humidité. Donc oui, ici vous avez un pouvoir réfléchissant, mais comme ici vous allez concentrer l'humidité et qu'elle va forcément passer un peu sur les côtés et dans l'air, c'est peut-être pas l'idéal. Donc sur un sol humide, moi je recommande de placer la partie ici réfléchissante sur le sol. Par contre, s'il fait très froid et que le sol n'est pas spécialement humide, ça peut être pertinent de mettre la mousse au sol et d'avoir ça ici directement pour réfléchir sa chaleur. Ou si notamment on dort près d'un feu pour que la chaleur tape dedans et remonte et par conduction et par radiation. On le trouve généralement autour de 6, 7, 8 euros. On peut s'asseoir dessus. On peut s'en servir comme dossier, on peut le sortir dans beaucoup de circonstances. Si on le déchire un peu, ça n'enlève pas sa partie isolante ni le confort qu'il peut apporter pour nous séparer des cailloux. Je vois souvent des personnes qui le roulent entièrement et le mettent en haut du sac à dos. Je trouve pas que ce soit une bonne idée parce que les élastiques qui sont sur le haut du sac à dos sont pas faits pour avoir du poids ni du volume. Et surtout qu'en haut du sac à dos, il va beaucoup bouger. Alors que si vous le roulez bien correctement et que vous le calez sous le sac à dos, vous avez souvent deux petites sangles qui servent à caler des choses. Ça va vous permettre de protéger le bas du sac à dos contre l'humidité si vous posez votre sac à dos debout pour vous reposer les épaules. Et surtout, il ne va pas vous gêner en l'air. Plus le poids est bas et près du corps, et moins il va vous gêner. Il y a notamment une autre technique qui est de le rouler un petit peu à la va-vite si on a un sac à dos de 50, 60, 70 litres et de le mettre dans le sac à dos. Ça va permettre, si vous avez un sac à dos qui a une mauvaise armature type des sacs des années 80, la Fuma et autres, de donner une structure au sac à dos. Et surtout, il ne va pas être en extérieur, il ne va pas s'accrocher dans les ronces si vous prenez un petit peu les chemins de traverse. Il existe chez Decathlon la même version, mais un petit peu en accordéon, qui a une forme plus carrée. Alors, elle est pas mal parce que vous avez des petits crampons qui apportent un petit peu de confort. Par contre, c'est vrai qu'une fois plié, moi, j'aime un petit peu moins le modèle parce qu'il est difficile à caser. Mais j'avoue qu'en termes de confort, il est pas mal. Vous me direz, c'est bon, on a de quoi dormir. Vous avez juste oublié un petit détail que nous n'oublions pas, nous autres, en Bretagne. C'est bien sûr un abri. Je laisse de côté le débat tente, tarpe, etc., abri naturel. Vous débrouillez entre vous pour savoir ce que vous préférez. Moi, mon choix a été fait rapidement de prendre un tarpe. Mais du coup, moi, si j'utilise un tarpe, c'est parce que c'est léger, c'est versatile. Et je peux quand même voir la nature tout en étant protégé des éléments. Donc je trouve que c'est le mieux. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que de bivouaquer en pleine forêt et d'être réveillé par un bruit, mais on est dans une tente et on ne sait pas ce que c'est, on ne voit pas, c'est difficile. Alors qu'avec le tarp, quand vous dormez dehors, dès qu'il y a un bruit, hop, on regarde, on voit qu'au final c'était un hérisson ou un écureuil, puis on se rendort en se disant « c'est pas très grave ». Je suis content de vous montrer un article de la gamme Bushcraft, spécialement conçu pour Decathlon. Il a des attaches, des ancrages à beaucoup d'endroits, beaucoup plus que les tarpes qui sont proposées en randonnée, qui sont plus faits pour mettre en abri en forme de A ou de tente canadienne. Ceux-là ici sont vraiment faits pour être mis dans tous les sens, selon les besoins du terrain. S'il y a un arbre qui vous gêne, vous le repliez, vous le coincez, vous pouvez le fermer, vous pouvez le mettre en mode semi-tente, vous pouvez mettre la bâche un petit peu au sol, puisque l'intérieur ici est complètement imperméable. Il faut par contre bien le tendre, parce que du coup, du fait de la bâche imperméable, il peut y avoir des petits bruits qui peuvent être gênants pour dormir, ou si vous voulez par exemple faire des affûts pour faire de la photographie animalière, ça peut provoquer la friction du matériau, un petit bruit. Donc tendez-le bien, mettez de la bonne ficelle, prenez des formes qui soient claires et bien définies, et vous n'aurez pas de problème avec lui. Et ce tarp, celui que j'ai dans les mains, il vaut habituellement entre 45 et 50 euros, et je vous expliquerai à la fin pourquoi celui-là ne vaut que 25 euros. Je vais vous présenter maintenant les accessoires. Je pense que la plupart sont nécessaires pour ce qu'on appelle les 3C, les 5C, vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est la base de ce qui constitue vraiment les produits essentiels dont vous serez sûr d'avoir besoin pendant le séjour. Petit coup de nettoyage. Waouh ! Ici, on a un petit quart en inox. Il fait 400 ml. Comment je le sais ? J'ai ma petite graduation à l'intérieur qu'on voit aussi à l'extérieur. Donc la graduation, vous me direz à quoi ça sert, on s'en fiche un petit peu.
Et non, parce que imaginez si vous arrivez à calculer pour la cuisine, par exemple, combien de grammes de farine il vous faut, et après de regarder sur Internet 100 ml ou 200 ml ou 300 ml, ça fait combien de grammes de farine? Et après, vous savez refaire, par exemple, votre pain. Ou si vous êtes un petit peu gourmand comme moi et que vous voulez faire des mug cakes qu'on peut faire au micro-ondes à la maison et qu'on utilise ici pour mettre entre les braises ou entre des pierres chaudes avec un petit peu de braise autour pour faire un petit gâteau, vous pouvez mesurer à l'intérieur, c'est très précis. Et comme ça, ça chauffe, vous pouvez aussi faire tiédir votre eau ou votre lait pour avoir déjà une pâte à travailler beaucoup plus simplement. Donc ça, pour boire, pour faire votre petite tisane d'aiguille de pain, c'est pas mal. Ici, j'ai une gamelle, j'en ai pris une grosse. Alors, c'est pas que je vous conseille d'en prendre forcément une grosse, c'est que ce modèle-là me plaît beaucoup parce que déjà, les poignées ici sont amovibles, donc on n'est pas obligé de les laisser dans le feu. Et surtout, la poignée ici est dépourvue de plastique. Donc si on veut la laisser dans le feu, il n'y a pas de problème à qu'elle fonde ou qu'elle s'abîme. L'arrière est simple à nettoyer, complètement en inox. Donc un petit coup de savon noir avant la cuisson pour protéger, pour que ça se nettoie plus facilement. Et en fin de cuisson, s'il faut gratter avec un gant en maille de fer ou une éponge le côté vert, on peut y aller. Et comme il y a des petits crochets, on peut bricoler une attache pour la suspendre. Pour la partie alimentaire, je n'entre pas dans les détails. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous avez un début de repas qui est proposé chez Decathlon, notamment de la nourriture lyophilisée. C'est léger, c'est compact. Et tout ce que vous avez à faire, c'est rajouter de l'eau pour les produits salés ou du lait pour les produits sucrés. Et vous en avez même avec de la poudre de lait où il y a juste à amener de l'eau. C'est vrai, en bushcraft, on peut faire sa cuillère en bois soi-même. Mais des fois, on n'a pas le temps ou des fois, on a besoin d'avoir des choses qui soient un peu plus compactes. Donc, vous avez aussi ces petits couvercles. Une fois que vous les ouvrez, vous avez un petit clic de sécurité. Ça tient très bien. C'est léger, c'est solide et on est sur des couverts à 5, 6, 7 euros. C'est pas très cher, c'est très accessible. Ils sont en inox, donc ils sont très durables. Je ne pourrais pas conclure cette partie sur l'alimentation sans parler de la partie boire. Ici, on est sur un modèle un peu stylisé. Voilà, il y a une peinture qui couvre, mais c'est bien sûr de l'inox sur tout le long. Ce qui est sympa, c'est qu'ils n'ont pas mis de peinture sur le bas. Donc ça permet que si on met la gourde telle qu'elle dans les flammes ou sur un réchaud, peu importe, pour faire bouillir son eau, si c'est le seul système qu'on a pour purifier son eau, pour la rendre potable. Le couvercle est parfaitement en métal, donc si jamais vous avez de l'eau bouillante dedans, vous pouvez le fermer et vous promener avec. Moi, je recommande quand même, quand on a fait bouillir de l'eau, si on veut la boire plus rapidement, de laisser la gourde ouverte et de bien la caler pour que la chaleur sorte. Mais si c'est pour dormir, avec un couvercle en inox complet comme ça, tout ce que j'ai à faire, c'est le fermer, enrouler un t-shirt dedans, et quand je m'endors, je le pose comme ça près de mon corps, et ça me tient très chaud, notamment en période fin automne et hivernale. Pour la partie alimentaire, une partie intéressante qui est bien sûr le couteau. Il y a 3-4 types de couteaux qu'on peut retrouver à Decathlon. Je vous ai pris celui qui est pour moi le plus indiqué pour la pratique du bushcraft, qui est le CK90. Il existe aussi en 130, un petit peu plus grand. Et il y a une version aussi dans le rayon bushcraft, qui a été sorti en collaboration avec des testeurs, des youtubeurs, etc. En attendant, on a le CK90 qui est très bien avec un étui en cordura. Il est très simple, vous avez ici, hop, le petit clip qu'on sort. Le couteau ici avec un ajournement pour caler le doigt, qui a une bonne prise en main, un grip qui est doux sans être trop agressif. Le métal ici, c'est du 5CR15. Je laisse aux forgerons et aux spécialistes du métal le soin de nous dire exactement ce que ça veut dire, mais c'est la typologie de métal utilisée. L'émouture ici est quand même très très courte. Le tranchant va être sympa, mais il faut faire attention quand on travaille avec du bois. Il y a une question d'angle à prendre en main. Ici, à l'arrière, un petit crantage pour bien bloquer sur le pouce. Mais moi qui ai une grande main, vous voyez, qui me tient parfaitement en main. Le petit trou ici pour la dragonne, pour la sécurité. Donc voilà, ce petit couteau, 18 euros, il est très sympa pour des débutants complets. Et ceux qui ont un petit goût pour l'artisanat et le bricolage peuvent aussi le pimper, le bidouiller à leur façon. Je passe maintenant à une partie intéressante de votre petit kit de bushcraft qui, je trouve, est très bon à avoir. La partie hygiène. Les petites serviettes ici, comme ça, en microfibre, sont très légères. Donc ça sèche en, je sais pas, une demi-heure dans le vent. Il n'y a même pas besoin de soleil. C'est très facile à ranger, à être compact, ok, ça prend pas beaucoup de place dans le sac à dos. Je vous propose ici un petit savon multi-usage. Pourquoi multi-usage ? Parce qu'avec, vous pouvez quasiment tout faire sauf le mettre dans votre bouche. Vous pouvez faire votre vaisselle, votre lessive et vous laver avec. Il est très moussant. Il a un aspect biodégradable qui est très intéressant, donc il est éco-friendly. 97% des produits ici sont de matière naturelle. Vous avez aussi des artisans
qui peuvent fabriquer du savon. Et vous pouvez même les contacter pour avoir les odeurs qui vous plaisent, si vous voulez retrouver un parfum un peu plus forestier, ou au contraire, un parfum plus fruité pour vous laver, par exemple, l'hiver, pour vous faire un petit peu rêver. Ne pas sous-estimer le côté hygiène, qu'on soit seul ou en groupe. Être propre permet de limiter les frictions, l'apparition de bactéries ou l'aggravation des blessures. En parlant de blessures, ne partez pas trop loin. Je vous ai préparé ici une petite pharmacie à 10-15 euros. C'est pour vous montrer que c'est important de ne pas négliger le côté secourisme. Je vous conseille de toujours, quand vous partez avec un kit fait tout seul, un kit un peu industriel, je vous conseille de le pimper un petit peu en rajoutant des choses que vous connaissez, que vous voulez utiliser. Si vous partez avec une pharmacie, ouvrez-la avant d'en avoir besoin. On ne découvre pas quelque chose d'urgent, d'important comme ça au moment où on s'est blessé. En tout cas, si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin, vous avez sur le blog de la Skol Louarn un super article fait avec des experts du domaine sur le garrot. Donc on regarde les grands mythes autour du garrot pour les consolider ou les invalider. On a ici la partie notamment topographie, orientation pour les déplacements. Donc la petite boussole a, je crois, 10-12 euros. Elle est très bien, vous avez la tablette ici avec le chiffrement. Vous avez une représentation directe au 1,25 millième et au 1,50 millième pour calculer directement les distances. Le cadran, bien sûr, qui tourne très bien. L'aiguille qui est très nerveuse, comme on le veut, pour nous indiquer le nord en quelques secondes. Et bien sûr, les azimuts avec le haut de la tablette, comme visé, qui sont assez précis quand même. Vous avez une version à 20 euros avec un clapet qui se ferme, etc. pour les baroudeurs ou ceux qui veulent le garder autour du cou et donc pour éviter les chocs. Si vous ne savez pas où vous allez, vous pouvez prendre une carte. Alors j'ai bien sûr ici pris une carte d'une des plus belles villes du monde, Paimpol. Pour ceux qui ne connaissent pas, regardez sur la carte, c'est magnifique. Voilà, avec l'île de Bréa. C'est de vérifier l'échelle, 1,25 millième. Ça veut dire que 1 cm sur la carte représente 250 mètres dans la vraie vie. Carte toujours utile. Je conclue par du matériel lumineux. Celle-là a beaucoup de modes d'intensité. Vous avez 3 ou 4 modes de puissance qui, bien sûr, augmentent le rayon et les lumens, donc la puissance de la lumière. Donc si vous trouvez que celle-là, bien qu'elle soit très technique et très puissante, soit un petit peu chère, je crois que c'est 35 euros. Je vous ai prévu un petit modèle ici qui est à 20 euros. Donc ça, c'est celle que je prends, moi, pour les clients ou pour les scolaires quand on dort en forêt. Rouge, blanc faible, blanc fort. Et éteint. Voilà, trois modes, tout simple. Donc, voici pour les accessoires. On a fait le tour du matériel. Alors, vous me direz, on trouve toujours moyen d'ajouter quelque chose ou d'enlever quelque chose selon l'expérience, le besoin qu'on en a. Je ne dis pas dans cette vidéo que vous êtes obligé de tout acheter, parce que là, on monte à une certaine somme. Je dis juste que pour des items et des besoins précis, chez Decathlon, vous avez le choix de la gamme et donc du prix et surtout de la résistance du produit. Ça, je trouve que c'est très sympa avec des produits qui sont conçus en écoutant les clients. Avant de conclure cette vidéo, tout à l'heure, je vous ai fait un petit teaser. Je vous ai parlé, par exemple, de cette tarpe ici. Je vous ai dit, au lieu d'être à 45, elle est à 25. Eh bien, il se trouve qu'il n'y a pas très longtemps, Decathlon a créé un vrai rayon avec des vendeurs attitrés qui s'appelle « Seconde vie ». Ce sont des choses qui ont été très peu utilisées. Genre, les gens les ont utilisées 3-4 jours et ont constaté que ça ne correspondait pas à leurs besoins. Ou alors, ce sont des produits qui sont issus du dispositif de location qui est possible chez Decathlon, donc de louer des produits pour quelques jours et de les rendre. Et là, par exemple, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, que ce soit les deux sacs à dos de rando, était à moins 50%. Le sac de couchage jaune était à moins 50%. Et la bâche ici est quasiment à moins 40%, puisque au lieu de 45, elle est à 25 euros. Vous trouvez ça à l'entrée du magasin Decathlon. Mais pour les personnes qui, comme moi, essaient de faire attention à leur budget, ça donne vraiment une bonne occasion en plus de faire un petit tour chez Decathlon au rayon seconde vie. Avant de conclure cette vidéo, par la présence d'un invité, je vous propose un petit coup de nettoyage. Voilà, c'est propre. Bon, maintenant qu'on a vu tout ce matériel, il y a une question que vous vous posez peut-être. Pourquoi est-ce qu'on devrait aller chez Decathlon plutôt qu'une autre marque, quitte à choisir ? Je pense que pour répondre à ça, il n'y a personne de mieux qu'un responsable de rayon qui travaille depuis 20 ans chez Decathlon, qui va nous l'expliquer tout simplement.
écoute, Ronan, merci de nous accueillir aujourd'hui au Décathlon Béton Village Laforme. Avec grand plaisir. Donc, je te pose la question, pourquoi est-ce qu'il faudrait venir à Décathlon plutôt qu'aller ailleurs, par exemple? Je dirais en premier lieu, l'excellent rapport qualité-prix, même, je dirais autrement, valeur-prix. On a différentes gammes, ça va de l'entrée de gamme au haut de gamme. Il y a toujours une vraie valeur d'usage et un prix plutôt ajusté avec cette valeur d'usage. Oui, on sait que si on paye plus cher, c'est que la qualité et la durabilité... Voilà, exactement. Ça vient vraiment d'un travail avec les chefs de produits qui travaillent énormément en amont et avec les retours clients également. Il y a même des tests qui sont organisés avec les chefs de produits et les clients. Et il y a même de la co-conception de clients avec les chefs de produits, les ingénieurs produits. Okay. C'est plutôt... Donc les clients ont leur mot à dire et on écoute leur retour pour modifier s'il y a besoin de bidouiller quelque chose. Exactement. Il y a vraiment un sens profond de rendre accessible le sport. Okay. Et donc, rendre accessible le sport, ça passe évidemment par le prix. On a vraiment des produits qui sont haut de gamme, qui ont vraiment un excellent rapport valeur-prix. Yes. Et en termes de matériaux, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou... Il y a beaucoup de travail, notamment sur la randonnée depuis des années, ils sont vraiment en avance depuis longtemps, sur l'éco-conception. L'éco-conception, ça, c'est un grand mot, ça parle de plein de choses. C'est des matériaux sourcés propres, ouais. Des techniques de teinture qui sont beaucoup plus propres que d'autres, donc le dope dye par exemple, et puis utilisation de plus en plus de matériaux renouvelables comme la laine, comme la soie, développement de plus en plus de l'utilisation de coton bio. Ben, ça me semble faire pas mal de raisons quand même d'aller chez Décathlon. Eh ben, je trouve aussi, ouais. Ronan, merci d'avoir pris quelques secondes alors que tu as peut-être des gens qui t'attendent, donc on va pas te garder trop longtemps. Merci pour l'accueil aujourd'hui au Décathlon Béton Village Laforme. Et puis à bientôt pour continuer nos petites aventures ensemble. Pas de problème. Bah, yes. Écoute. Allez, à une prochaine. Salut. Allez, salut à tous. À très bientôt pour la prochaine vidéo.